Allez, c'est parti. Une histoire. Hein. Pour une fois. Je m'excuse, j'ai pas dit lunettes de pédé, c'est lunettes de la femme. Il était une fois un petit ange appelé Minimati. Coïncidence. Perché sur un nuage qui survolait le petit village de Bully. Mais arrivé au-dessus du village, la nuit et le froid perturbèrent son voyage. Petit ange se dit, je vois des lumières vers le centre du village et je vais pouvoir me réchauffer. Après un bref survol au-dessus du café de Madame Marcel, fermé pour jour férié, même quand c'est pas fermé, ce férié c'est encore fermé aujourd'hui, petit ange reprit son envol en direction de la route nationale 7. Et dans une impasse, à l'abri du froid, elle fut intriguée par de petits cris du désespoir. Comme à son habitude, elle claqua les doigts et se dit « Je connais ton sauveur ». Au même moment, Jean-Luc reçut une décharge et partit chercher du pain chez papa et maman. Jean-Luc. Sur son chemin, petit ange confia une mission à Jean-Luc. Réalisa un miracle. Jean-Luc recueillit le petit trésor et s'empressa de le mettre au chaud auprès de sa grande famille. Vu son très jeune âge, 23 ans, Jean-Luc confia le petit trésor à ses parents. D'un méthode de ce côté-là. Quand Claude Maurice prit en charge le trésor dans ses bras, petit trésor ne comprenait pas le langage de la Creuse. Et comprenez-le. Là, je te comprends. Claude se dit alors, à Bully, on a des Saint-Bernard, des pompiers. Donc, demande aux pompiers de l'époque d'arriver. Donc, dans la continuité. Donc, voilà. Sur les lieux en reconnaissance. Donc, voilà, donc, quatre pompiers. Arriver sur les lieux, c'est la stupéfaction. C'est la première fois que l'on assistait à un petit trésor. Dans un régiment, mettez-vous bien. Rangez-vous là, bon Dieu. Non, c'est une histoire vraie. L'équipage prit alors les choses en main et se dit la couleur bleue, donc tu passes au secourir, le père Maurice, tu l'intervention. L'équipage prit alors les choses en main et se dit la couleur bleue n'est pas normale. Ici, tu es dans le Beaujolais. Ta peau doit redevenir un petit peu rouge. Et pourquoi un petit peu rouge? Ah, j'ai le mot. On a celui qu'il nous faut à Bully. On fait appel à Petit Georges. Voilà la suite. Ah, vous n'êtes pas à manger, là. On va décaler un petit peu, là. Ah, mais c'est une fille. Décalez les pompiers, là. Vous n'êtes pas le ranger, là. Non, peut-être pas la suite. Pour l'intervention, tout le monde qui est passé pour un bras, pour aller juste en petit. Pour le faire suivre, il y a un petit, quand même. Donc voilà, nous sommes de petits. La nuit passe et le lendemain matin, chacun part de la découverte de petits trésors. Petit trésor, maintenant, tu fais partie de Bully. Monsieur le maire va officialiser la démarche. Donc à la suite. Donc Georges, tu donnes le bébé à monsieur le maire. Quelques jours ont passé et il fallait te trouver un petit nid douillet. Le message fut reçu, Dominique et Bernard, je vous demande de dire la suite. Non, bah la suite, Oui, vous vous déplacez. Oui, ça me va. Allez, maman. On va pas décaler. Donc à la suite.
Dominique. Donc Dominique Bernard ne se vient pas prier pour Dorothée, petit trésor. Mais petite trésor est devenue grande et peaulée maintenant, toute seule de ses propres ailes. C'est pour cela qu'elle est là aujourd'hui, notre invitée d'honneur, et que nous sommes fiers de t'accueillir, la fée Carole. Voilà la fin de notre histoire qui somnolait depuis le 1er novembre 1987. Voilà, merci à tous. Donc Jojo va vous dire un petit mot, parce que c'était son époque, moi j'étais aussi, mais j'étais derrière.